Kate, duchesse de Cambridge, a fait fondre les fans royaux aujourd'hui lorsqu'elle a câliné un adorable chiot. La princesse de 40 ans a été rejointe par son mari, le prince William, lors d'un voyage à l'hôpital communautaire de Clitheroe Road dans le Lancashire. Après avoir remercié le personnel du NHS pour leurs vaillants efforts tout au long de la pandémie de Covid-19, Kate a reçu Alfie, un chiot de thérapie. Le cockapoo abricot sera formé pour soutenir les patients et les collègues de l'hôpital. Et la mère de 3 enfants pouvait à peine contenir son plaisir à câliner le chiot, pour le plus grand plaisir des fans royaux. L'utilisateur Tony Kappa a écrit « Magnifique. Astro. Assal a déclaré « Merci pour vos efforts. Magnifique couple. » Ruth Steyer a commenté « J'adore, à quel point ils sont pris avec le chiot. » Johanna Castillo a simplement écrit « PW, le prince William, et Doc, la duchesse de Cambridge, avec ce chien. » Et regardant vers l'avenir, Floritza Ximena a déclaré « Nous sommes tellement chanceux de vous avoir tous les deux comme prochains rois et reines. » Tout en tenant Alfie, on pouvait entendre Kate dire « Tu es si gentil. Tu as sorti à mon manteau. » Elle a ensuite parlé de son propre chien, un cocker, dont le nom n'a pas été révélé. Parlons du chien que son frère James a offert au couple royal l'année dernière, Kate a ajouté « Notre chien va être très excité. » Elle va dire, où étais-tu? Qui as-tu vu? Sur leur page Instagram officielle, le couple royal a partagé des photos de la journée dont plusieurs des Alfie.es clichés étaient sous-titrés, au Clitheroe Road Community Hospital dans le Lancashire aujourd'hui pour rencontrer le personnel qui travaille à la fois à l'hôpital et dans cette communauté rurale et entendre parler de leur expérience de réponse à Covid-19. Les pressions à travers le système local ont fait que les équipes ici ont ressenti la pression de la pandémie. Heureusement, @NHS Charities Together a fourni un soutien inestimable au bien-être mental du personnel tout au long de cette période.